Bonjour et bienvenue ici à Vérone au stade de Marc Antonio Bentegodi. Très joli stade qui va accueillir aujourd'hui la Belgique. Belgique tête de série de ce groupe opposé à la Corée du Sud. Les Diables Rouges qui pour la circonstance vont jouer en blanc aujourd'hui face aux Coréens. Emmenés donc par Yann Kullmans, Gerets, les anciens de cette équipe. Ou encore Enzo Schifo. Ce sont les Belges qui se mettent les premiers en évidence. Cinquième minute de jeu, ballon pour De Vries qui est décalé, De Vries qui repique. Le tir au premier poteau et l'ouverture du score dès la cinquième minute de jeu. La Belgique entre de la plus belle des façons dans cette Coupe du Monde ici en Italie. On va revoir cette action et ce but avec le beau travail de Yann Kullmans qui sert Enzo Schifo. Schifo, il a vu De Vries dans l'espace, De Vries qui repique. Il choisit le côté fermé, ce qui surprend le portier coréen. 1-0. La Belgique d'entrée. La Belgique qui continue. Avec De Vries encore, De Vries De Wolf, Michel De Wolf. Le débordement, le centre, le ciseau de De Vries. En pleine forme, en pleine confiance, l'attaquant belge. Ici, la réponse coréenne avec Kim Il-sung. C'est un petit peu timide. Schifo, Schifo, encore pour De Vries, De Vries, le crochet, la frappe de De Vries, c'est repoussé difficilement par le portier coréen. Encore une réaction coréenne sur une frappe lointaine, frappe tendue, mais sans problème pour Michel Preud'homme. Le Belge qui combine parfaitement, frappe de Schifo repoussée, Kullmans, Kullmans, le débordement, centre tendu, et c'est Schifo qui devance la sortie du portier, et ça passe au-dessus, 2-0, 1-0 à la pause, pardon. 1-0 à la pause. Les Belges gèrent le match sans forcer. On sent qu'ils sont capables de marquer à chaque occasion. Comme ici, Van der Elst frappe superbe De Vries pour le 2-0. Et non, De Vries dans le petit filet à l'entame de la seconde mi-temps. Ça aurait fait du bien pour les Belges. Ça aurait permis de vraiment encore plus gérer ce match. Et là, De Vries qui rate le doublé pour lui. C'est dans le petit filet. Toujours 1-0, la Belgique continue. En tout cas, ça combine parfaitement. Ils ont une équipe bien rodée. 80e minute de jeu, Michel De Wolf. Le débordement. Il résiste, le centre. Et c'est encore De Vries. Premier poteau, tête plongeante. 2-0. La Belgique, là, fait le break. Un but à la 5e, un but à la 80e minute de jeu. Ça, c'est vraiment de la gestion. On ne peut pas dire qu'ils épuisaient dans leur réserve aujourd'hui face aux Coréens. Les Coréens tenaces, mais qui là craque sur ce beau travail de De Wolf, hein, latéral gauche, hein, il fait tout le boulot. Et là après, le buteur De Vries qui marque son deuxième but. Et c'est terminé, 2-0. La Belgique assure l'essentiel, à savoir les deux points. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici à Udin, au Stadio Friuli, pour ce qui va être une belle affiche entre l'Uruguay et l'Espagne. Dans ce groupe E de la Coupe du Monde italienne, groupe qui recense également la Belgique et la Corée du Sud, Espagne-Uruguay. Un beau match entre deux équipes, bien sûr, qui aspirent à accéder au 8e de finale. Et un match qui va être très équilibré. Ici, une première tentative uruguayenne, avec une frappe de Ruben Pereira. On pensait l'équipe uruguayenne assez défensive, mais vous allez voir que ce sont eux pratiquement qui vont se créer les plus belles occasions. Enfin, c'est une équipe par contre espagnole qui joue avec 5 joueurs en défense. L'Uruguayen encore avec une frappe ici, il est repoussé par Zubizarreta. La première tentative espagnole, la voici. Débordement de Martin Vázquez. Martin Vázquez qui repique, ballon en retrait par Michel, frappe de Michel, elle est belle. C'est bien repoussé par Zeoli. Mitragueño malheureusement ne peut poursuivre. Belle opportunité espagnole, mais attention, ici c'est Aguilera qui est lancé. Aguilera qui frappe instinctivement. C'est dans les bras de Zubizarreta. Villarroya, Villarroya, Michel, Michel, le petit coup du sombrero pour Mitragueño qui se retourne. Une petite frappe de Mitragueño en pivot. Malheureusement. Peu trop écrasé. Michel, Michel ici balancé, c'est récupéré par Martin Vázquez, Mitragueño, Martin Vázquez, Michel, Michel encore, Michel, frappe de Michel, c'est contré.
On approche de la mi-temps. On est toujours à 0-0. Et voilà, c'est sifflé. 0-0. Pour la mi-temps mitigée. Quelques occasions de part et d'autre. Donc on va dire qu'on s'enflamme dans ce match. La seconde mi-temps démarre avec ici Francescoli. Francescoli, Correa. Correa. Ballon qui est décalé pour Aguilera. Aguilera qui se présente face à Zubizarreta. Le crochet et la faute de Zubizarreta. Eh oui, il a accroché l'attaquant uruguayen Zubizarreta. Je ne vois pas pourquoi les Espagnols protestent. La faute est assez évidente. On va la voir au ralenti. Le décalage avait été fait. Carlos Aguilera avait réussi son crochet intérieur. Eh oui, on voit bien. Accroché par les jambes de Zubizarreta. C'est un pénalty. Pénalty pour l'Uruguay. Le capitaine Enzo Francescoli. C'est dedans. Zubizarreta parti du bon côté. Le pénalty est bien tiré en hauteur. 1-0. L'Uruguay ouvre la marque par son capitaine. Enzo Francescoli, qui permet donc à l'Uruguay de passer devant. C'est bien tiré, il a pris ses responsabilités, Enzo, et 1-0. Donc 1-0 pour l'Uruguay. L'Espagne doit forcément réagir, commencer par une défaite. Ça serait pas terrible. Michel face à Zeoli, et bel arrêt de Zeoli. Les Espagnols, forcément, qui sortent la grosse artillerie. Et c'est une frappe encore de Michel, sans problème. L'Uruguay qui va pouvoir maintenant bénéficier de contre. Attention, c'est Michel qui récupère. Michel, Boutragueño qui se retourne. Boutragueño qui tire. Et c'est sur le haut de la barre transversale. Quelle occasion. Quelle occasion espagnole là, sur cette récupération de Michel. Hein, le meilleur espagnol aujourd'hui. Boutragueño, le crochet, il se met en position. La frappe est belle. Pas de réussite, c'est sur la barre. Attention, Pereira au coup franc pour les Uruguayens. C'est au-dessus. Bien sûr, ce sont les Espagnols hein, qui maintenant sont obligés de sortir un peu plus et de faire le jeu. Ils n'ont pas le choix. 78e minute de jeu. Boutragueño qui donne pour Michel. Michel, pas de solution. Donne pour Martin Vasquez. Martin Vasquez, le petit centre pour la tête. C'est repoussé. Boutragueño qui reprend. C'est au-dessus. Ah oui, il s'en veut, Emilio. Balle de 1 partout. 87e minute de jeu. Le temps presse. Les Espagnols sont menés. Martin Vasquez sur son côté. Centre tendu. C'est Zeoli qui sort dans les pieds de Michel. Grosse pression espagnole. On est à la 88e. Le centre pour Boutragueño. C'est repoussé en corner. L'Espagne toujours. Martin Vasquez. Il reste plus beaucoup de temps à jouer. La tête de Chendo. C'est au-dessus. 90e minute de jeu. Ruben Paz. Michel et c'est fini. C'est terminé. Et l'Uruguay s'impose face à l'Espagne. Les deux points sont pris grâce à un pénalty de Francescoli.